Ok, je vais faire partir les bateaux un par un. Le chrono se déclenche seulement quand vous avez poissonné. Donc vous inquiétez pas ceux qui démarrent pas tout de suite. J'ai personne sur ce bateau là. Allez hop. Deuxième bateau, comme ça poissonne. Deuxième bateau là, c'est qui? Oui, bah ça poissonne les gars. Allez gros, ça arrive, c'est parti, venez poissonner. Deuxième bateau, ça poissonne. Ok, c'est parti, deuxième bateau. Il y a à chaque fois des profs. Vous avez des boîtiers, vous ne pouvez pas les rater. Car les vélos, on se les donne de la main. Tout le monde doit passer sur le vélo. J'envoie les élèves et les équipes toutes les 15-20 secondes. On est en vie. Il a une chariole. Il est sur la toile. Allez, gars. Ouais, toutes les trois. Mais c'est dit. Les doigts. Attends, qui sont là? Vas-y, vas-y. Qui avec qui? Les doigts, ils sont les doigts. C'est bon, pas le moment. Donc, l'objectif, moins de 15 minutes entre le moment où je poinçonne le départ, il est là. Et le moment où je poinçonne l'arrivée, c'est la tige qui est là au centre de la pelouse. 15 minutes maximum. Il faut vraiment gérer son temps. Si vous n'avez pas de chrono au poignet, on vous en prête un. Le mieux, c'est quand même le chrono au poignet. C'est mieux pratiquer le chrono au poignet. Vous avez 8 balises sur la carte. Ouais. Allez, bonne course, HB. Allez, vous avez un chrono. Non, on a 35. Vous le déclenchez dès que vous entendez le bip. Elle est là, on est où? On est ici. Non, non. C'est moi qui ai le doigt. Non. Hugo, tu le veux? Alors je veux. La mer est là. La mer est là. Eh, vous êtes allé au. Vous venez du canoë. Il est bien par là le canoë. Allez, on court. Du coup, j'ai vu ton canoë. Allez. Vous vous appliquez et vous lancez le plus loin possible. D'accord. Allez, c'est parti. Allez, vise bien dans les chaînes. Coup de chance. 4. Allez, on repart d'ici. 5 le vent. Wow.